Move. Je sais pas si t'as vu cette semaine, mais si t'as pas vu, c'est pas grave, tu vas voir maintenant. Je sais pas si t'as vu, Beyoncé a acheté une église à la Nouvelle-Orléans. Et selon le site TMZ, elle pourrait même la remettre en service. Mais on sait pas encore exactement quel est son projet pour l'instant. Bah, elle a qu'à créer sa propre religion. Mais pourquoi elle ferait ça? Bah pour qu'on puisse l'appeler Madame l'Abbé. La Beyoncé. Cette petite blague cléricale pour la Pentecôte. J'aime le mot. Et puis Jésus, ce sera Jésus. Et puis à Pâques, il y aura tout Pâques. Ah, j'adore ça. Les jours fériés, je suis en forme. Je pète le feu. Je sais pas si t'as vu, MHD se lance dans le cinéma. En ce moment même, il tourne Mon Frère, son premier long métrage en tant qu'acteur et coproducteur. C'est réalisé par Julien Abraham, à qui on doit notamment le film La Cité Rose. Est-ce que le rôle du frère de MHD sera joué par son ami Akelenta? Ah mais en fait c'est pas du tout un prénom Akelenta. Ah si, il le dit. Ce soir c'est ton jour, mon ami Akelenta. Forcément Akelenta, son ami. Ouais, mais ça parle d'un mariage. En fait c'est du dialinqué, il dit mon ami ne choisit qu'elle. Bon, c'est qui Akelenta? Pourquoi il se marie pas? Je sais pas si t'as vu, Adrien Rabiot, le joueur du PSG, refuse d'être suppléant pour la Coupe du Monde. La semaine dernière, il a pas été retenu dans la liste des 23 pour le Mondial, il n'était que réserviste. Mais lui, il veut pas. Il a même écrit une lettre à la Fédé pour expliquer son choix à Didier Deschamps. C'est vraiment chiant leur histoire de Parcoursup, là. Moi aussi, un premier choix, et ben j'avais mis équipe de France. Et puis forcément, t'as pas été pris, vu que t'es pas footballeur. Non, je suis sur liste d'attente. Mais j'ai été pris en pâtisserie, en Bourgogne. Mais j'habite loin, j'habite à la Sauve. C'est pas sur le chemin Saint-Gironde, c'est sur la route de Créon, juste un peu avant Lignan, vous voyez? Je sais pas si t'as vu la nouvelle offre de Canal+. Hier, ils ont présenté un nouveau forfait low cost pour les moins de 26 ans qu'ils annoncent comme étant leur plan anti-Netflix. Ah, mais y'aura quoi dedans? 400 films en VOD, toutes les séries Canal pour 9,95€ par mois. Attends, mais c'est plus cher que le forfait de base de Netflix? Oui, mais toutes les semaines. Il y aura 3 matchs de Ligue 1, de la Formule 1 et des matchs de rugby. Mais on s'en fout de Guingamp-Rennes et de Bordeaux-Bègles. Nous on veut la Casa des Papels, c'est pas compliqué. Du Rio, du Berlin, allez là, le professeur, la Casa des Papels. Je sais pas si t'as vu, mais Harvey Weinstein fait enfin face à la justice. 7 mois après toutes les révélations de la presse, l'ancien producteur s'est livré à la police de New York et a été inculpé pour viol et agression sexuelle. Mais attends, genre c'est lui qui décide quand il se fait arrêter? Non mais avant il suivait un traitement contre l'addiction au sexe dans une clinique spécialisée. Ah d'accord, jacquard médical. Donc si les flics te passent les menottes, tu peux dire hop 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 pouce, j'ai un ongle incarné. On se retrouve dans 3-4 jours en prison, allez bisous. Voilà. T'as vu cette semaine, et je sais pas si t'as vu, c'est tous les soirs à 19h sur tous les réseaux de Move. Insta Story, Facebook, YouTube, Twitter, ça s'appelle Move. Tu es connecté sur Move.